Comment number one, toujours la théologie number one. Comment number one, c'est vraiment number one. Comment number one, c'est un, c'est pas deux, c'est un. Comment number one, never say never because you don't know and you don't have no idea. Félicitations Beleka na Congo number one. Tant on va number one tout c'est Bretagne, number tout est number one. C'est ça, président Raboyi. Ils allent rabouiller quoi? Ils allent vraiment bouiller. Presse en boca. Ils vont aller à Congo number one. Mais internet beaucoup de beaucoup de Congo number one. T'es natuni, t'es number one. Tout t'es number one natuni. Ils allent à Congo. Congo number one, Balobi, combo la prophétie. Vous allez number one. Les jeunes gens, pourquoi? Parce que le président de la République a constaté qu'il y a eu un échec. Il a mobilisé des gens, mais quand vous comptez le nombre de gens qui, de jeunes gens qui sont venus. Se faire enrôler, il n'a pas plus de 10 000 pour tout le pays, pour un pays qui a 70 millions d'habitants et dont la majorité est la jeunesse. Donc il y a quelque part, il y a un problème. Vous voyez qu'il y a ce problème de légitimité du président de la République qui réjaillit. Ok, on va revenir à cela. Fidèle, d'abord, premièrement, quelle lecture vous faites de ce discours, si vous l'avez suivi d'un bout en bout, qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, je ne m'attendais pas à un miracle. Le connaissant, l'ayant suivi depuis qu'il est là, je me disais, il ne va rien faire de nouveau, rien de nouveau sous le soleil. Il peut passer outre, vu l'état de siège dans lequel le pays se trouve. Moi, je comprends bien Kabila dans son discours, qui nous annonce qu'il a chassé tout l'état-major en général. Une équipe qui perd doit partir. Tout l'état-major général, il devait changer tous les commandants des régions militaires et leurs adjoints et les chefs d'état-major. Donner deux régions militaires qui n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes, c'est vrai, parce que l'armée, qui mobilise les militaires, c'est les commandants des régions militaires. Ce n'est pas, ça ne se fait pas comme ça à partir d'un discours. Il y a quand même des dispositions. Moi, j'ai failli faire l'armée quand j'étais à l'école secondaire. Quand on avait recruté les enfants pour aller être pilote militaire à 1909, j'étais un 4e littéraire. C'est mon père qui avait refusé. J'ai des amis qui sont partis, ils sont revenus pilotes, des maquis sont là. Moi, j'ai pas parti, mon père a refusé. Et ça se faisait par province, pour former une armée réellement nationale. Pas une armée tribal-ethnique. Katanga Maniema. Non, c'est pas bien l'armée ça. Bientôt, maintenant, vous avez le francophone qui veut créer leur armée à eux. Un, il fallait tout l'état-major fédéral. D'abord, il y en a un qui est suspendu. C'est grave, c'est mon professionnel. Il faut changer tout à ma chose. Bien sûr, un seul. Non, voilà, c'est encore grave. Pour une faute grave comme celle-là, cet homme doit être suspendu, traduit devant la haute cour et on doit commencer à le juger. Sur le plan politique, c'est un échec. On lui donne toutes les voies pour revenir à une sorte de cohésion nationale. Il refuse. Posez-vous la question. Kabila qui craint le pouvoir sans jamais rencontrer Tshisekedi. Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez un président qui ne rencontre pas le chef de l'opposition, une figure emblématique, le symbole même de la démocratie et de la lutte non violente. Il ne rencontre pas. Ça, vous trouvez ça normal, vous? Récemment, il a invité les opposants pour leur dire quoi? Mais c'est ce qui vient à quel poisson? Ils ont dit, monsieur, commençons par créer une cohésion nationale avant d'aller affronter les autres. Les autres, ils sont des. C'est la l'armée du Rwanda et de l'Ouganda. Il refuse, et c'est un coup. Troisième élément, sur le plan maintenant diplomatique, Kabila, l'histoire est Kanga. Kabila a utilisé ce canal pour légitimer le M23, qui est considéré comme une force négative, et dédouaner l'Ouganda et le Rwanda des crimes commis au Congo. Conformément au rapport de l'ONU, échec. Maintenant, sur le plan, comment dirais-je, il oublie un élément capital. Il dit politique, diplomatique et militaire. Non, parce que tout il a échoué. Comme il a échoué là-bas, il reste les judiciaires. Pourquoi Kabila ne saisit pas les instances judiciaires internationales, dont la CPI, à partir du rapport de l'ONU, qui est le gendarme mondial? Il n'y a que ça.
Bemba est à sept pays sous base de quoi? Une accusation d'un pays et d'une enjeu de droit de l'autre. Rien que ça. Pourquoi Kabila ne saisit pas la CPI? Mais pourquoi les ONG congolaises non plus ne peuvent pas se saisir de ces dossiers et porter plainte contre eux? Non, moi je parle de Kabila. Non, mais c'est ça aussi. Et j'ajoute encore, les ONG congolaises n'existent plus. C'est des chasseurs de primes. Toutes les ONG congolaises sont, sont à la porte de la CENI parce que l'on avait dit là il y a l'argent. Toutes les ONG, VSV, Azado, sont à la porte de la CENI parce qu'il y a l'argent. Et l'autre histoire des droits de l'homme. Les ONG n'existent plus ici au Congo. Parce que moi, j'aimerais voir VSV, Azado, oh, ceci et cela, faire fond commun, aller à la haie avec le dossier, saisir la Cour de la justice contre les assassins du peuple congolais, qui sont dans l'humanité, dans le rapport de l'ONU. Ce n'est pas un rapport du PPRD, du MLC, du MCR, de l'UDP, non. Rapport des experts indépendants de l'ONU. Plus le rapport de Human Rights Watch qui peut leur servir comme étant, même c'est construit partie civile. Kabila ne le fait pas. L'histoire retiendra cela. Qu'il n'a jamais osé accuser les assassins de son peuple. Le contraire, il va déviser avec eux. Vous vous rendez compte? Regardez. On va revenir sur. Je vous dis, voilà. Ce volet là-bas va coller à la peau de Kabila jusqu'à ce qu'il meure. Ça lui poursuivra partout. Très bien. Alors, Israël, vous aussi, vous avez suivi le discours du chef de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez noter de l'ensemble de ce texte en fait lu par le président de la République devant le Congrès? Bon, j'ai retenu une chose, j'ai vu un président faible, un président fragile, qui est maintenant là, au fait, avec la réalité, qui est un président qui se rend compte qu'il est au fond, qu'il est devant une crise sans précédent, mais qu'il est seul devant cette crise. Donc, aujourd'hui, Kabila est en train encore de payer cash le raté électoral de novembre dernier, parce qu'aujourd'hui, il en appelle encore une fois de plus à la mobilisation générale pour sauver l'État. Je rappelle qu'il avait déjà fait cet appel à la mobilisation générale il y a quelques mois. Cela n'a pas été suivi des faits. Je rappelle qu'il avait mis en place, une fois de plus, un groupe consultatif que les opposants avaient demandé. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, il est buté face à une difficulté telle que pour s'en sortir, on a besoin de la cohésion et de l'unité nationale. Et donc, aujourd'hui, il a esquissé un discours plus ou moins d'ouverture, mais j'attends le juger par les actes qui vont précéder. Parce que le chef de l'État a quand même dit aujourd'hui qu'il va mettre en place une structure qui va concourir à la cohésion nationale. Quel sera le contenu de cette structure? J'attends le juger. Il n'y a pas un Congo de la majorité, un Congo de l'opposition. Il a dit des bonnes choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il aurait posé des actes forts. Par exemple, dire que je vais libérer les prisonniers d'opinion. C'était une occasion aujourd'hui de rassembler tout le monde. Nous sommes une nation déchirée, déchirée parce que Kabila a été mal élu, déchirée parce que Kabila a refusé d'accueillir Bemba quand la CPI, justement la CPI lui avait donné la liberté, la possibilité d'avoir une liberté. Son propre pays, pour les crimes qu'il a commis, supposé commettre pas dans son propre pays lui a refusé de lui donner cette possibilité. Et imaginez-vous qu'il y a des Congolais qui se reconnaissent dans le leadership de Bemba. Il y a des Congolais, majorité, qui se reconnaissent dans le leadership de Tshisekedi. Il y a des Congolais qui se reconnaissent dans le leadership de Kabila et bien d'autres leaders de l'opposition. Et quand vous êtes avec ces opposants, vous n'êtes pas en rapport, vous n'avez pas de rapport harmonieux avec ces opposants là-bas, vous êtes seul. Et aujourd'hui, que le PPRD, que tous les partis de l'ANP fassent une mobilisation, ils sont pas là, ils n'ont pas pu nous suivre. Donc on sait très bien dans ce pays que pour que le PPRD fasse un rassemblement, il faut qu'il y ait de l'argent. C'est pas comme la mobilisation. Parce qu'ils sont au pouvoir. Non, ça veut dire que voilà, c'est ça le problème. Non. Écoutez, maintenant qu'ils sont au pouvoir, pourquoi n'arrive-t-il pas à mobiliser la jeunesse pour qu'elle s'enrôle dans l'armée? Le chef de l'État, c'est lui-même le premier garant. Il a dit non. Voilà, il faut, pour résoudre cette crise, on a besoin d'une armée. Cette armée, il faut que la jeunesse s'enrôle massivement. Il a fait cet appel. Mais combien de jeunes ont répondu présent? Ça montre que quand tu es chef de l'État et que tu donnes une impulsion, et qu'il n'y a pas du répondant, il faut se remettre en cause. Voilà. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a l'humilité au moins de reconnaître qu'il n'a pas cette légitimité, la plus étendue possible pour faire le boulot
qui nécessite à la tête de l'État. Merci. Alors, le chef de l'État, nous allons prendre quelques mots. Il dit, par exemple, que bon, on doit continuer sur le plan politique. Si pour résoudre cette crise, il va falloir continuer avec la réforme entamée dans les services de sécurité, l'armée, les services d'intelligence. C'est vrai que les réformes doivent se poursuivre. Mais sur le plan politique, le chef de l'État note quand même certaines avancées, notamment l'adoption de la loi sur la création de la Commission nationale sur le droit de l'homme, également la loi sur la restructuration de la CENI qui vient d'être adoptée au niveau du Parlement, et les élections dans les provinces telles qu'au Bas-Congo, en province orientale, et pas plus tard qu'il y a deux jours dans la province du Kasaï occidental, où on a vu quand même que cette province qui hier était l'apanage de la majorité présidentielle sont petit à petit en train de basculer, si pas entre les mains des indépendants, mais aussi de ceux qui sont proches de l'opposition. Je voudrais commencer par les élections dans le Bas-Congo, dans la province orientale et puis dans le Kasaï occidental. Ouais. Dans le Bas-Congo, parce que le président de la République dit qu'il y a eu une avancée sur le plan politique, est-ce que la manière dont le président de la République s'est comporté lui-même au regard de ces élections, est-ce que c'était démocratique? Parce qu'on a vu un président de la République quitter la capitale, aller s'installer en province pour faire la campagne de ses candidats. De ses candidats à lui. Alors il a oublié que dans ce pays, il y a la décentralisation, il y a un pouvoir au niveau central, il y a un pouvoir au niveau provincial. Ce sont deux pouvoirs différents. Il est allé et il a échoué, excusez-moi, lamentablement, parce qu'il a soutenu de Nkoussou qui a mordu la poussière. Même si aujourd'hui, par certains subterfuges, il utilise le vote de droit et consort, mais il a échoué. Et ce n'est pas de Nkoussou qui a échoué, c'est le président de la République qui a échoué. Mais ça veut dire, il peut perdre aussi, mais s'il s'est présenté comme indépendant. Ok, mais écoutez, il y a quand même le prestige d'un président de la République. Il ne faut pas oublier ça. Alors, allez, bon. Donc, ça veut dire quoi? Que le président de la République, au niveau du moins, au niveau des provinces, n'est plus en phase avec ses troupes. Ça, c'était le Bas-Congo. La même chose s'est répétée dans la province orientale. Où le président de la République, doublé du secrétaire général du PPRD, on mordu la poussière. Je crois qu'il faut en tirer des leçons. Je crois qu'on a tiré la leçon. Attendez, je crois qu'on n'est pas aussi démocratique parce que pendant que tout le monde disait, bon, c'est la majorité mécanique, mais quand vous arrivez dans une élection où le chef de l'État soutient un candidat, il est battu. Non, on peut quand même dire que la démocratie non, il devait laisser jouer le jeu. Il ne faut pas crier à la démocratie après avoir échoué dans son jeu. Il devait laisser le jeu se dérouler librement. Oui. Écoutez, ça n'a pas marché. Et puis, non, il faut dire qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a l'opposant qui prend Oui, il y a ce quoi on a tiré. Je pense bien qu'on a tiré les leçons et du Bas-Congo et de la province orientale. On a laissé quand même les choses aller. Tu vois. Mais il faut aussi dire que Alex Kané n'a pas été à sa première tentative. Mm-hmm. Déjà. Mmh. Il aurait été déjà gouverneur. Il y a eu des manœuvres du pouvoir qui voulaient accaparer toutes les provinces, qui a fait que qu'il perd des élections. D'ailleurs, il a perdu ses élections à courte tête, là, avec deux voix, tout simplement. Ouais. Donc, c'est pour dire que, est-ce qu'il y a eu une avancée sur le plan démocratique? Je ne sais pas. Ça, c'est le président qui le trouve ainsi. Mais il faut dire que le président lui-même, le fait qu'il ait fait changer, réviser la Constitution autrefois pour s'arroger le pouvoir, de révoquer le gouverneur de province, qu'il ne lit pas, il y a déjà une entorse même dans la Constitution à ce sujet-là. On passe. La réforme de la CENI, il a fallu, c'était à coup de pression, c'est à coup de pression de la communauté internationale qui a voulu quand même qu'on corrige quand même les choses avec tout ce qu'il y a eu avec les élections présidentielles et législatives de novembre 2011. Quand même.
parce que lobby est ça yo dans le frère Marius Lumumba zongi les sous et pas avec nous bien aimé bondi maboyamba album oyo tu es capable nangolo nzambe album oyo bonde cause la mingi à Paris à Belgique en Hollande en Angleterre partout en Europe voici l'album Dieu est capable. Batumi balé bazo bela maladie moko, baza na hôpital moko, médecin moko zo traité bango nyonso mibale, mais moko akufi moko abiki. Ezaka ngolo. Ndenge na lobby boye baki na lobby ya moto moto ayebite to yebani mité matimbala oyo bana na nzambe nyonso ya mokili bo bana ebiki bozo londanga na www.kazarema.fr. Bala auto lobby nzamba za roulage. Garantissent la poursuite du processus. Mais ça n'a pas été facile. Je crois que vous avez suivi le président français. Je crois que le député il a déclaré ce qu'il a dû déclarer parce que le président Kabila lui aurait donné certaines paroles d'honneur qu'il n'a pas pu réaliser. Bon, écoutez, bon, on en est là, mais on n'est pas quand même sorti. Quand vous voyez la composition de la CENI, 6 membres de la majorité présidentielle, 4 de l'opposition, 3, on n'est pas toujours sorti vraiment de... Mais au moins, merci, au moins Israël, la société civile réintègre le bureau et même au-dessus du bureau, il y aura la plénière qui va prendre des décisions. Et le bureau devrait être présidé par quelqu'un de la société civile, c'est quand même des avancées, non? Bon, moi, quand le chef d'État parle d'avancée démocratique, moi, j'aimerais qu'il me dise... Il a quels instruments pour mesurer ses avancées ou pas? Je dis encore, nous sommes dans un pays où le processus démocratique n'est pas l'apanage des hommes politiques congolais. Ils ne se sont pas appropriés. Ils n'ont pas la mentalité de démocrates. Nous sommes dans une démocratie sans démocratie. C'est ça le vrai problème. Kabila lui-même croit-il en la démocratie? Sinon, il ferait de la question de l'alternance au pouvoir pas un tabou. Sinon, il parlerait volontiers de dire que non, moi, en 2016, voilà, je ne serais pas là. Mais c'est comme l'évoquer tout simplement par le cas de la majorité, c'est comme si c'était un crime de lèse-majesté. Donc nous sommes dans un pays où justement vous avez des dirigeants politiques qui n'ont pas un langage franc, qui n'ont pas un langage de vérité par rapport aux valeurs démocratiques. Nous avons plusieurs instruments pour mesurer l'avancée démocratique. La liberté de la presse, violation des droits de l'homme, l'indépendance de la justice, la régularité des cycles électoraux, leur transparence et tout ça. Lisez tout le rapport. Les rapports Moïbrahim, les rapports, il y a plusieurs rapports sur la question pour évaluer la santé d'un État démocratique. Nous ne sommes pas un État démocratique véritablement. Donc, il y a du progrès qui doit être fait. Et c'est Kabila en tant que chef de l'État. Toutes ces élections, tout s'organise, et les institutions qui fonctionnent pour vous, c'est pas la démocratie. Écoutez, nous disons ceci, la démocratie est le meilleur système politique actuel, et bien le moins mauvais. Mais il faut voir nos défis à nous pour stabiliser ce pays, pour amener le développement, pour amener la paix. On a besoin de quel niveau de développement, quel niveau de démocratie, à quel niveau, à quelle hauteur croyons-nous au principe de démocratie? C'est ça le problème. Regardez le chaos qui se passe à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Qui organise ce chaos là-bas? Ce n'est pas la majorité. Dans ce chaos-là, comment est-ce que la province va se développer? L'une des provinces les plus pauvres du pays. Elle a d'abord besoin de stabilité politique pour que ses élus puissent réfléchir à développer leur pays. Mais si ces élus ne sont même pas en état de se réunir, ou de quand ils se réunissent, il y a toujours des crises. Mais qui a entretenu cette crise? C'est parce qu'au départ, la majorité n'était pas contente de ce que cette province était contrôlée par l'opposition. Elle a voulu tout s'accaparer. Non, en démocratie, il faut savoir perdre les élections. Et donc, il faudrait que l'esprit démocratique puisse justement aller dans toutes les institutions, y compris la justice. Voilà, votre conseil la vaut aussi pour l'opposition. Bien sûr. Il faut que tout le monde, à l'opposition comme à la majorité, s'incline devant les résultats des élections. Alors, mobilisation, poursuite des réformes. Aujourd'hui, tout le monde sait que le président, par exemple, français, Sarko, plutôt
François Hollande avait dit ce qu'il avait dit parce qu'il estimait à son point qu'il n'y avait pas suffisamment d'engagement pour faire avancer le processus démocratique. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a dit, par exemple, sur la décentralisation, que la loi de programmation et d'installation des provinces vient d'être adoptée. Il y a la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme, il y a la loi sur la CENI qui vient de passer. Autant d'indicateurs qui peuvent maintenant faire croire que finalement on avance vers une bonne direction. Il manipule la Constitution comme un chiffon. Quand il a modifié la Constitution pour éliminer le deuxième tour, deux, quand il s'est arrogé le pouvoir, des pouvoirs dissoudre l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire de chasser le gouverneur, tout ça, il est en train de manipuler. Vous allez le voir. Deuxième élément, la CENI là-bas. Mais on veut remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul, tous sont des saints. Mais alors, finalement. Parce que, écoutez, la meilleure façon, parce que moi, écoutez, on peut faire pareil au Mounounda, on trouvera un autre Mounounda, peut-être plus dangereux que Mounounda là. La seule façon de mettre tout le monde en confiance, ce n'est pas de faire la preuve. Voilà, la mauvaise foi commence, le pouvoir prend six places. Pourquoi? C'est parce de quoi? Nous allons aux élections. C'est une commission électorale indépendante. Mm-hmm. En vertu de quoi le pouvoir doit prendre six places? Pourquoi? En vertu de quel principe, de quel loi, vous dites de quel mandat? Mais c'est la majorité. Une majorité là à l'Assemblée nationale, par la CENI. La CENI, c'est une commission indépendante technique. D'après la démocratie. Deuxième élément, pourquoi l'opposition à quatre? Non, ça pour la mauvaise foi est là. Donc, la tentative de tricherie est déjà visible. Mais alors, attendez. Alors, je vous dis une chose, c'est alors, donc, c'est la vaste comédie. Si on veut faire une bonne commission électorale, il faut faire appel à des étrangers. Incorruptible, il y en a. Ah oui, mais on a vu ça en Guinée. Est-ce que vous pensez que c'est ça ce qui peut... Mais si on prend Fidel, même une chose, regardez, nous qui... Quand on a encore besoin de quelqu'un vient nous... Oui, on voit comment les Congolais fassent ma corruption. Quand on nous a dit non, le vice-président sera Johnny Guillaume, c'est ça, vous allez comprendre Johnny Norma. Cet homme-là, est-ce je le connais, cet ami. En âme et conscience, est-ce qu'il est, il est conscient de ce qu'il a fait? Ça veut dire que ça tout il est conscient de ce qu'il a fait. C'est ça l'opposition. Alors demain, on mettra Fidel Moïse. Et là, vous n'allez pas nous reconnaître. Alors, pour ne pas faire ça, faisons appel à des étrangers. Et ça peut durer pendant combien de temps? Oui, jusqu'au moment où nous aurons un pouvoir qui n'est pas corrupteur, qui n'utilise pas la chicotte. Deuxième élément, le Conseil supérieur des droits de l'homme, là. Mais il n'y en a plus. La VSV, l'Azadé et compagnie, c'est des chasseurs de prix. Je suis désolé, je les connais. Je veux leur travail. Ils ne font pas le travail qu'on attend d'eux. Je viens de le dire ici, Moïse a effleuré. Je crois que c'est Israël qui a effleuré ça. Kabila a refusé de recevoir Bemba en liberté provisoire. Vous vous rendez compte, votre propre compatriote, qui est accusé faussement, et vous ne faites même. Et puis, je n'ai jamais entendu Kabila envoyer même des gens pour aller consoler Bemba à l'aïe. Même lui-même, pourquoi n'est-ce pas? Regardez Kagame, quand on a arrêté Rose Kabouya en Allemagne, Kagame a pris son avion, il est allé jusqu'au cachot, voir Rose Kabouya. Voilà un président qui est conscient. Il a protégé Taganda. Hein? Mais ici, chez nous, on protège Taganda. On dit que c'est l'homme de la paix. Nous sommes dans la paix ici. C'est la paix maintenant. Voilà. Bon, je continue pour dire les réformes là, c'est de la vaste comédie, que ce soit la CENI, que ce soit. Même quand il parle de la loi de promotion des provinces. Mais je vous dis pour le moment qu'il y a des provinces qui ne reçoivent plus la rétrocession. L'argent est bloqué ici. Par exemple, le Bas-Congo. Parce que Deo Nkoussou a été le poulet de Kabila. Deo Nkoussou a saisi la Cour suprême à tort. Mais en attendant, même que. En attendant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui gère. Il y a trois barons du régime qui sont en train de bloquer l'investiture de Mbadou. Je dis trois barons du régime, dont un membre de la famille présidentielle, qui sont de l'Est-Afrique, qui bloquent sa paix là-bas. Le seul risque de couler au Bas-Congo à cause de cela. Ça, je préviens ça. Nous sommes au courant que trois membres qui sont là, qui font des va-et-vient jusqu'à Perenco, là, à Moanda, là, pour bloquer l'investiture du gouverneur. Les autres, en province orientale, ils vont aller chercher même qui était le père de Ramani, ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où? Donc, on n'est pas un bon perdant. Au ressort occidental, regardez, à peine l'élection, en fait, il n'y a qu'à 14 députés qui ont rejeté appel. Mais vous avez été battus! Nous, il fallait le faire avant. C'est d'abord qu'il va dire non. Monsieur, nous contestons l'élection parce qu'il y a des députés qui ont changé de parti. Mais c'est pas possible. C'est la Cour d'appel de Matadi a réglé cette affaire. Il y a une jurisprudence à Matadi. Non, à Kananga, allez bloquer Alex Kande. Alex Kande, au moins, qu'est-ce que le président a voulu faire aujourd'hui? Écoute, il n'a pas voulu endosser lui-même
la responsabilité, du moins, il s'est trouvé des gens qui vont endosser à sa place. Et écoute, c'était pas seulement mon gouvernement. Il y a eu les députés, il y a eu les membres de la société civile qui sont là, qui ont accepté un accord. S'il y a un accord, demain, ça ne sera pas l'accord entre le gouvernement et M23, mais ça sera entre les forces vives de la nation. Vous comprenez? Donc c'est une sorte de responsabilité pour moi. Alors, il faut noter que les députés et les autres délégations qui sont là-bas le sont à titre d'observateurs. Il n'y a que les représentants officiels du gouvernement qui discutent avec la délégation du M23. Mais apprendre pour parler de Kampala, une semaine après, ils en sont encore à élaborer le calendrier des rencontres, l'ordre du jour. Alors qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que, comme il le disait avant, il y a un problème de terminologie? Quand Kinshasa parle d'évaluer l'accord du 23 mars, le M23 parle d'un accord, d'un dialogue inclusif. Est-ce que nous arrivons un jour à... C'est une farce de nouveau goût qui se joue à Kampala. Et l'M23 et Kabila, les partisans de Kabila, ils jouent un mauvais goût, une phase de mauvais goût. Ils ont déjà le schéma, lequel, d'après mes sources. Mes sources. La preuve, pourquoi est-ce qu'il a mis un type comme Madiba, mais c'est dit qu'il est opposant, comme observateur, vous vous rendez vraiment compte. Vous êtes opposant, vous allez observer comment le pouvoir négocie avec un mouvement et une force négative. Vous vous rendez compte comment il crache sous la mémoire congolaise, François Mamba. Ça, c'est grave, ça. Et puis, depuis quand les députés ils sont allés comme observateurs. Mais ils ne peuvent pas aller là-bas. Ils attendent, ils légifèrent, ils contrôlent le gouvernement. C'est tout, ça, peut être. C'est légiférer, donc créer des lois et contrôler l'action gouvernementale. Où ils font la diplomatie parlementaire. Je comprendrais, Badibang est allé au Rwanda pour discuter avec les parlementaires rwandais. Je comprendrais. Ou en Ouganda, parler d'observateur, observe quoi? C'est un chasseur de primes, c'est un peu d'argent, c'est ridicule de place. D'ailleurs, vraiment, ce type-là, il faut nous venir même les bannir. Parce que si on était à quoi le pauvre décider de Marius, on devait les bannir. Heureusement, il a la chance qu'il y a encore le droit de l'homme. Deuxièmement, d'après les sources, il y a un point qui va sortir. Allez, je parle en tant que Congolais parce que j'ai peur, parce que ce sont mes cousins qui meurent. Vous savez, moi, mon cœur est saigné là. Bon, d'après mes sources, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont sortir un accord. Même les gens de toi, ils parlent de la conclusion, ils arrivent, c'est grave. Après, maintenant, le Rumiga là, qui se prend déjà comme chef d'État, ne vient pas. On a mis un touti. Maintenant que l'affaire prend une couleur un peu plus baltique, c'est le touti qui monte au créneau. Parce qu'on veut arriver au pouvoir. Ils vont faire ceci. Ils vont décréter l'état d'urgence des sièges dans la province du Nord Kivu. Ils vont nommer des gouverneurs. Un touti, comme toujours, c'est un qui va sortir, ou bien un vice qui est de l'autre tribu. Et ils vont dire que l'M23, plus les forces de l'armée congolaise, vont maintenant pourchasser les intérêts et les forces négatives. Ça peut faire 2 ans. Donc il n'y aura pas des élections locales au Congo à cause de ça. Ils vont bloquer le processus. Parce qu'ils ne vont pas les faire ailleurs, ça va faire au Nord Kivu. Entre-temps, on va introduire, on appelle le cheval de Troie. Ça veut dire des Rwandais dans les structures de sécurité civile et militaire. Voilà ce qui va se passer. Et voilà. Ils vont faire venir 50 000 Rwandais, soi-disant réfugiés, en dehors du mécanisme international avec l'HCR. Voilà ce qu'ils vont faire. Et on va faire un dossier, c'est à Kinshasa. Ils ont déjà leur plan en tête. Et ils diront, non, Kabila l'a dit, je ne suis pas seul, il y a des supporters de l'OBIT. Mais dit, qui a envoyé que ça va dire anglais? Qui l'a envoyé là-bas? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé là-bas? Lui, Badibang, il représente le peuple. Lui, Badibang, là. Très bien. Et alors, François Mamba aussi, lui, vous dit que ça, c'est une farce de mauvais goût, ils ont leur choix. Malheureusement, la société civile du Sud Kivu et du Nord Kivu, et celle du Nord Kivu, ont dit niette. Ils ont déposé un mémorandum. Et c'est qui bloque le tabou. Jusqu'à quand ils vont tenir, je ne sais pas. Donc, ils ont dit non. Très bien. Alors maintenant, c'est qui complique les négociations et l'ordre du jour. Troisième élément. L'opposition qui est allée voir Kabila, les trois présidents des groupes parlementaires là, qui sont aussi, qui ont des contours fous. On va dire, monsieur le président, commençons par créer une cohésion. Kabila les a écoutés, merci beaucoup, ils sont partis. Oui, c'est pour dire, d'ailleurs, j'ai reçu les opposants. Voilà, ici, maintenant, j'ai reçu les opposants. Alors, ils m'ont chargé de faire ces statuts.
Comment vous analysez? Est-ce que déjà on peut parler d'un blocage à l'Est, ou plutôt à Kampala, ou quelles sont les perspectives d'avenir? Non, les perspectives, comme on l'a dit, les perspectives sont floues, elles sont sombres. Le blocage est là parce qu'on ne s'est pas d'accord d'abord sur le calendrier. De quoi? Eh, Banamboka, DocTrade Conseil, c'est la solution. Osa Congolais, osa chanceux. DocTrade Conseil est la solution pour tous les problèmes qui vous tourmentent. Osa étudiants congolais, DocTrade Conseil est là, il paye votre caution. Osa interdit bancaire, DocTrade Conseil lève l'interdiction bancaire. Osa locataire, Olingio comme propriétaire, DocTrade Conseil est là. Solution pour vous, pour devenir propriétaire. En tout cas, naïvement, ma kambouya boy. Na kotika kanakati à DocTrade Conseil. Eh, la linga kina bosana. DocTrade Conseil est là pour tous les Congolais qui ont des permis du Congo. Il vous assure. En tout cas, assurance à boy. Il n'y en a jamais eu ailleurs. Parce que lobby est zayo. Tala le frère Marius Numbuma songi les sous. Aye pas na bino. Bien aimé bondi ma boy amba album oyo. Tu es capable. Nangolo Nzambe album oyo. Bordel cause la mingi. À Paris, à Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album. Tu es capable. Batumi balé baso bé la maladie moko, basa na hôpital moko, médecin moko zo traité bango nyonso mi balé, mais moko a koufi moko a biki. Isa kango. Ndenge na lobby boye baki na lobby ya moto moto a ébité to ba limité matimbala oyo bana na Nzambe nyonso ya mokili mo bana biki bozo landangana www.gazarema.fr. Bala auto lobby Nzamba za roulage. C'est vraiment number one. Congo number one, c'est un. C'est pas deux, c'est un. Congo number one, never say never because you don't know and you don't have no idea. Ma félicitation est belle quand on a Congo number one. Number one. Tant que number one, tout est beauté. Number two, tout est. Number one. C'est ça, précisément.
Congo number one, Balobi, le combo est la prophétie. Vous allez avoir number one.